Après problème raté ciment qui était la cause travail au ralenti, dans commencement semaine là, travail aurait démarré normalement dans tête canal là après responsable yo fin recevoir plusieurs cargaison ciment yo te commandé. Pasteur Moïse Joseph, c'est coordonnateur comité qui a géré canal là. C'est de même pour nous gagner parce que 8 jours nous fin préparer coffrage en fait là et que pas de ciment qui disponible dans département du tout, nous était obligé attendre pour que nous capable de voir que remettre système d'irrigation et nous dire que à monde qui financer à peuple là à nation. Mais connait ciment là, gagne nous pas problème ciment. Actuellement là nous gagnons 1000 sacs que nous t'ai acheté et que hier soir nous servi avec 700 combien sacs, mais nous avons 2000 sacs que nous payer, mais nous espérons que nous après des démarches pour que le canal là pas ramper pour ciment. Après population à maintenant te fin bat chalbari derrière un groupe technicien l'état haïtien te voyé dans canal là pour capable faire étude topographique yo. Comité canal là fait venir pendant week-end passé à un groupe technicien topographe qui fait partie d'un film privé, une façon pour travailler continuer respecter nom yo selon responsable logistique là monsieur Durosier Sénat. Et nous disons l'autre fois encore monsieur ça est venu c'est dans quatre finissements de travail nous devons faire notre prise sur rivière Massacre. C'est des ingénieurs civils et des ingénieurs topographes. Nous sommes censés pour venir faire des études topographiques pour permettre qu'il travaille à la fête bien. Non, ça va gagner à work. Ça c'est le comité en soi qui prend responsabilité pour que le travail soit fait bien, pour que l'étude soit fait bien. Et il est obligé de chercher des techniciens et pour permettre que le travail soit continuer. Coffrage à fête. Béton armé continue à couler dans tête canal là. Pendant pas qu'on date, selon coordonnateur comité canal la pasteur Moïse Joseph, pour inauguration. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole.